des parois du pelvis. Le pelvis occupe la partie la plus caudale du tronc. C'est un entonnoir osseux et musculaire qui va contenir les réservoirs du système digestif, de l'appareil urogénital. C'est également dans cette enceinte qui va se développer chez la femme l'utérus lors de la grossesse. Le pelvis est une structure osseuse et cartilagineuse qui est inextensible et c'est la partie la plus étroite du tronc et celle qui va contenir les réservoirs de l'urine et des matières fécales, c'est-à-dire la vessie ventralement et le rectum dorsalement. Et entre ces réservoirs prendra place l'appareil génital, c'est-à-dire l'utérus chez la femme et les voies spermatiques chez l'homme. Voici une coupe frontale très schématique de la cavité abdominale et du pelvis. On désigne tout d'abord l'os coxal avec sa forme évasée crânialement et sa forme cylindrique en dessous. C'est dans cet entonnoir osseux qui prendra place le pelvis. Il sera délimité caudalement par le plancher du périnée et le périnée débute donc au-dessous de ce plancher. Le pelvis est séparé à mi-hauteur par le repère de la ligne arquée, qu'on appelle également le détroit supérieur du bassin, et cette ligne arquée correspond à la ligne de rupture entre la forme évasée de l'os coxal et sa forme cylindrique. L'entonnoir osseux est prolongé caudalement par le plancher pelvien musculaire, celui qui, en s'attachant d'une part à l'enceinte osseuse et d'autre part à l'appareil sphinctérien, va constituer la partie la plus déclive de cet entonnoir, et au centre de l'entonnoir prendront place les viscères du pelvis et ici par exemple le rectum. Nous traçons cette ligne verte qui correspond au feuillet pariétal du péritoine qui viendra se réfléchir sur le viscère pour former du péritoine viscéral. Et à l'intérieur de cette ligne, on figure ainsi la cavité péritoniale en dessous de la ligne de réflexion du péritoine du plancher pelvien. Il existe un espace dit pelvis sous-péritonial dans lequel nous décrirons des nerfs et des vaisseaux du pelvis. En dessous du plancher pelvien, mais en dessus du plancher périnéal, dans cet espace fermé latéralement, l'ischion, il existe une fosse ischio-rectale qui sera occupée essentiellement par un tissu graisseux et cette fosse sera placée sur les côtés des appareils sphinctériens, des viscères. La partie la plus caudale de la structure osseuse du bassin va varier de forme en fonction du sexe, c'est ce que nous allons montrer dans le diapositive suivant. Déjà sur ce premier schéma, nous pouvons insister sur la forme de l'angle sous-pubien. Cet angle sera fermé chez l'homme, environ 60 degrés, et beaucoup plus ouvert sur le bassin féminin, d'environ 90 degrés. C'est sous cet angle que la tête fœtale, lors de l'accouchement, viendra s'appuyer. Cela explique donc la différence d'angle d'un sexe à l'autre. Notion de biométrie sur le bassin osseux permettront de comprendre les bases de la mécanique de l'accouchement et va commencer par présenter par une vue sagittale passant par le plan médian. Nous observons la partie droite du pelvis et au sein de l'enceinte osseuse, nous traçons cette surface encerclée de rouge qui correspond au contour de la tête fœtale. Il y a deux diamètres à retenir dans cette surface, le petit diamètre qui correspond au diamètre bipariétal entre les deux os pariétaux de la tête fœtale, et ce diamètre est presque constant et qui est de 9,5 cm. Le grand diamètre ou fronto-occipital est lui pratiquement constant, il est de 12,5 cm. Il faut les garder à l'esprit, ces dimensions, pour comprendre ensuite, en fonction des dimensions du pelvis, quel sera le cheminement de la tête fœtale lors de l'accouchement. Avant cela, nous allons placer quelques repères osseux essentiels au sein du bassin. Tout d'abord, le promontoire qui est le bord supérieur de la pièce sacrée numéro 1, juste
au-dessous du disque L5S1. On le retrouve sur cette vue supérieure du bassin à droite. Ici, nous avons choisi un bassin masculin en haut et au-dessous d'un bassin féminin. Nous traçons maintenant la ligne arquée du lion en partant de promontoire en arrière jusqu'à la symphyse pubienne. En avant, cette ligne arquée sur le schéma de gauche, partagée en deux os coxales, et le plan délimité par cette ligne arquée fait un angle de 60 degrés. Par rapport à l'horizontale, cette ligne arquée forme le détroit supérieur du bassin. Entre le promontoire et la symphyse pubienne, il y a environ 11 cm, juste assez pour permettre le passage du diamètre bipariétal de la tête fœtale, mais pas assez pour permettre le passage du diamètre fronto-occipital. C'est pour cette raison que sur le troisième schéma, en bas à droite, c'est celui d'un bassin féminin, on présente l'engagement de la tête fœtale dans deux positions possibles à gauche et à droite, de façon oblique, afin de contourner l'étroitesse de ce détroit supérieur. Ce détroit supérieur, c'est donc l'ouverture du bassin sur la cavité abdominale. Il y a maintenant un diamètre transverse qui, chez la femme, mesure environ 13,5 cm, qui est bien suffisant, qui permet l'engagement de la tête fœtale à travers l'ouverture du bassin, c'est-à-dire à travers le détroit supérieur, soit à gauche, soit à droite. Une fois que la tête fœtale sera engagée à travers de ce détroit supérieur, il viendra se placer dans la concavité du sacrum, comme le démontre le schéma, en haut et à gauche. Il restera à franchir ensuite l'extrémité inférieure du bassin, ce qu'on appelle détroit inférieur, qui, à la différence du détroit supérieur, est un espace extensible. Ce détroit inférieur n'a pas de limite marquée continue dans sa périphérie. Il faut imaginer qu'il est délimité en arrière par la pointe de coccyx de chaque côté, par la tuberosité iste des ischions et en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne. Sa détroit inférieur est en quelque sorte un losange, et la distance entre la pointe du coccyx et la partie inférieure de la symphyse pubienne ne dépasse pas 9 cm normalement en fin de grossesse. Lorsque les tissus féminins ont été imprégnés d'hormones, ils permettent une laxité importante, et lorsque la tête fœtale vient appuyer dans la concavité sacrée, il va pouvoir basculer vers l'arrière et le haut ensemble des pièces sacrées. Ils vont pouvoir pivoter sur un axe qui passe sur un disque L5S1, comme le montre le schéma de gauche. Et l'ensemble du bassin pourra être déporté en arrière pour atteindre la position marquée en pointillé rouge, et on aura alors, lorsque la tête se redresse sur le plan sagittal, la possibilité de faire passer un volume qui mesure 10,5 cm de diamètre. Donc la paroi pelvienne, destinée à la mise en place des viscères du pelvis, et nous allons d'un schéma à l'autre construire l'enceinte en partant des structures osseuses et en les recouvrant des structures ligamentaires, musculaires, puis aponevrotiques. Et nous commençons ici à mettre en place une vue, c'est une coupe sagittale passant par le plan médian, en observant la partie droite de la coupe, en plus des structures osseuses de l'os coxal et du rachis, nous rajoutons des structures ligamentaires qui vont fermer la grande ouverture qui reste de l'arrière de l'ischion et sur la face latérale du sacrum. Tout d'abord, nous plaçons le repère de la ligne arquée, c'est-à-dire de détroit supérieur, puis nous plaçons le repère du foramen obturé du bassin. Et ce foramen est obturé par une membrane obturatrice qui va pratiquement combler la surface de cet orifice, à l'exception du canal sous-pubien destiné à laisser passer des éléments de pellicule obturateur. En arrière de l'incisure ischiatique, cette grande ouverture derrière la tuberosité de l'ischion va être compartimentée, décomposée en deux incisures, la grande crâniale et la petite incisure caudale.
et ce qui sépare ces deux incisures, c'est le ligament sacro-épineux. C'est un ligament plus ou moins horizontal, de forme triangulaire, tendu entre les faces latérales du sacrum et le coccyx, et l'épine de l'ischion. La périphérie de ces incisures reste fermée par le ligament sacro-tubural tendu entre les faces latérales du sacrum et la tuberosité de l'ischion. En contact de la tuberosité de l'ischion, ce ligament sacro-tubural envoie une expansion dite expansion falciforme contre l'os de l'ischion. Cette expansion falciforme va créer une gouttière un peu en dedans et au-dessus de la tuberosité de l'ischion, destinée à recueillir la trajectoire du pédicule pédendal. On rajoute sur ce schéma au niveau de ce cercle l'existence d'une bourse séreuse de réflexion qui sera contre la face dorsale de l'ischion et qui servira de poulie de réflexion au muscle obturateur interne, qui partira du foramen obturé et qui traversera la petite incisure ischiatique. Voici le même schéma avec cette fois les structures osseuses, ligamentaires puis musculaires. Et petit à petit, cette enceinte va se compléter pour devenir de plus en plus étanche et donc séparer des viscères du pelvis de la racine des membres inférieurs. Nous traçons tout d'abord le ligament inguinal. Entre le bord supérieur du pubis et l'épine iliaque antéro-supérieure, ce sera la limite entre l'enceinte du bassin et la racine du membre inférieur. Puis, nous mettons en place le muscle obturateur interne qui va s'insérer sur la membrane obturatrice, mais surtout sur le pourtour de la région qui va se diriger vers la petite incisure et rejoindre l'extrémité supérieure du fémur. L'insertion du muscle obturateur interne conserve un petit espace sous-pubien, c'est le canal sous-pubien, et ce canal sera libre pour laisser le passage au pédicule obturateur. Dorsalement, le muscle pyripan va traverser la grande incisure ou la grande ouverture ischiatique et va ménager simplement un petit espace au-dessus de lui, c'est le foramen, sous-pyripan, et un espace plus vaste au-dessous, c'est celui du canal sous-pyripan. En complétant ce schéma pour faire apparaître les enveloppes qui vont tapisser les parois du pelvis, les parois osseuses, ligamentaires et musculaires. Et nous rajouterons tout en bas les insertions des muscles qui formeront le plancher du pelvis. Les enveloppes qui vont tapisser les parois sont toutes des parties de fascia pariétale ou fascia pariétalis. Ce fascia, c'est cette entité universelle au niveau du tronc que nous les avons vus dans l'étude de la paroi du thorax et dans l'étude de la paroi de l'abdomen. C'est un fascia qui est plaqué à la face profonde du muscle de la paroi et sera donc étalé depuis la région cervicale jusqu'au niveau du fond du pelvis. Ce fascia pourra parfois changer de nom et par exemple, lorsque ce fascia pariétal vient recouvrir le muscle psoas-iliaque, on le donne le nom du fascia iliaca ou fascia iliaca. Nous traçons maintenant la position de la ligne arquée qui forme donc le détroit supérieur du pelvis et en dessous de cette limite, on a l'habitude de donner au fascia pariétal le nom de fascia pelvienne pariétale. Il faut comprendre maintenant qu'en dessous de la ligne arquée, plus ou moins parallèlement, à cette ligne, ce fascia pelvien pariétal va s'épaissir et former une zone d'insertion musculaire, c'est-à-dire les muscles du plancher pelvien vont venir se fixer sur le fascia pelvien pariétal, se servir de lui comme point d'ancrage dans la paroi du pelvis. Ces muscles qui vont former le plancher pelvien, qui sont représentés sur cette vue, il y a ventralement le muscle élévateur du muscle, et il faut parler de muscle élévateur de l'anus, et dorsalement le muscle coccygien. Voici une vue supérieure du pelvis féminin, et on est sur une coupe horizontale,
La partie ventrale est sur le haut du schéma, symbolisée par l'espace de la symphyse pubienne. La partie dorsale vers le bas, avec les deux articulations sacro-iliaques et la forme triangulaire des pièces sacrées devant la pointe du sacrum et du coccyx. On coupe un des réservoirs du pelvis, c'est le réservoir dorsal, c'est-à-dire c'est le rectum. Devant lui, la cavité vaginale et plus ventralement, l'urètre qui le conduit de vidange de vessie. En périphérique de la coupe contre les parois osseuses, on met en place des structures musculaires qu'on vient de les décrire, c'est-à-dire ventralement le muscle obturateur interne, que sur la coupe se dirige d'avant en arrière, de dedans en dehors, et va ensuite changer de direction pour l'atteindre l'extrémité supérieure du fémur. L'autre muscle, c'est le muscle piriforme, dont les fibres sont dirigées derrière en avant, de dedans vers le dehors, sans changer de direction jusqu'à son insertion sur le fémur. La ligne qui est marquée à la surface de ces muscles obturateurs internes et piriformes, c'est en fait la fascia pariétale et à ce niveau qui est représenté comme épais et prend le nom d'arcus tendineux ou arcus tendineux et que sur ce trait épais qui vient se fixer les muscles du plancher pelvien, dorsalement il y a tout d'abord le muscle coccygien dans sa structure, il occupe la place du ligament sacro-épineux qu'on a mis en place tout à l'heure. La direction de ces fibres par contre est différent. On voit sur la partie droite du schéma la direction de ces fibres représentée par cet ensemble de flèches noires et ce muscle s'insère sur les faces latérales du sacrum et des coccyx. Il s'insère également sur l'arcus tendineux au niveau du muscle piriforme et toutes ces fibres convergent vers l'épine de l'ischion. Le reste de la surface du schéma va être rempli par l'ensemble des muscles élévateurs de l'anus. Et nous allons voir qu'il y a trois constituants à ces muscles élévateurs de l'anus. Tout d'abord le rose sur le schéma, le muscle puborectal. C'est un muscle très charnu qui ressemble à une sangle musculaire qui s'insère derrière la symphyse pubienne du pubis. Et ces fibres musculaires partent d'avant en arrière, parallèlement au viscère, et se termine entre le vagin et le rectum, et en arrière du rectum. Les muscles puborectaux gauche et droit échangent leurs fibres musculaires entre les viscères, ce qui constitue le point d'extrêmement solide et extrêmement résistant au niveau de la ligne médiane entre le vagin et le rectum. Et chez l'homme, entre l'appareil spermatique et le rectum, il y a le noyau fibreux central du périnée et en arrière du rectum devant la pointe du coccyx, le raphé anococcygien. Ce sont deux structures fibreuses sur lesquelles se fixent les muscles puborectaux gauche et droite. Et à ce niveau, il échange les fibres d'un côté à l'autre. Deuxième constituant des muscles élévateurs de l'anus, le muscle pubococcygien. C'est la partie antéro-postérieure triangule orange sur le schéma. Ce muscle se fixe derrière la symphyse pubienne et ces muscles sont un peu parallèles à celles du muscle puborectal pour se terminer au niveau du raphé anococcygien. Le troisième constituant est la constituant la plus étalée et dans l'espace, c'est aussi la structure musculaire la plus mince. C'est le muscle iliococcygien qui s'insère sur l'arcus tendineux contre le muscle obturateur interne et ses fibres convergent toutes en arrière du rectum et également sur le raphé anococcygien. Si on utilise deux couleurs pour ces muscles élévateurs de l'anus, c'est que le muscle puborectal n'a pas la même origine embryologique que les deux autres constituants, c'est-à-dire le muscle puborectal et iliococcygien. Le muscle puborectal dérive des îlots cellulaires mis en schémateux de l'éperon et périnéal de l'embryon, c'est-à-dire qu'ils ont la même origine que les sphincters des viscères du pelvis, alors que les muscles pubococcygiens et iliococcygiens dérivent des muscles de paroi, c'est-à-dire du mésoderme paraaxial.
Voici une coupe frontale du pelvis. Cette coupe passe par des viscères du pelvis. Et ici, il s'agit du rectum. Mais cette coupe est tout à fait semblable qu'elle passe au niveau de la partie génitale ou urinaire du pelvis. Cette coupe va avoir l'avantage de ne pas montrer comment les structures fibreuses des parois latérales du pelvis vont descendre dans l'entonnoir pelvien et se confondre avec les structures fibreuses des viscères. Nous commençons donc par mettre en place le segment digestif, ici le rectum, puis les structures que nous avons vues au cours des premières diapositives de ce cours. Ici, c'est l'os du bassin avec le foramen obturé et la membrane obturatrice plaquée contre cette membrane de le muscle obturateur interne. Et au-dessus de la partie évasée de l'os iliaque, le muscle iliaque, ce muscle est recouvert par le fascia iliaque en noir. En fin de compte, ce n'est guère plus de fascia pariétale ou pariétalis qui change de nom lorsqu'il vient en contact du muscle iliaque. Voici la partie musculaire de l'entonnoir pelvien. Ici, une surface musculaire qui représente en fait l'association des muscles iliococcygiens et pubococcygiens. Tous les deux font partie des muscles releveurs de l'anus. Le fascia iliaque prolonge autour des muscles releveurs de l'anus et prend alors le nom de fascia pelvien pariétal. Le péritoine pariétal est plaqué contre le fascia pariétal et la cavité péritoneale va descendre dans l'entonnoir pelvien. Mais en l'avant vu, la ligne de réflexion du péritoine n'ira pas au fond de cet entonnoir. Voici le péritoine sur le rectum ou le péritoine viscéral. Donc il y a un espace sous la réflexion péritonéale entre le fond de la cavité péritoneale et le fond de l'entonnoir pelvien. C'est l'espace pelvis-péritonéal. C'est dans cet espace où sont dessinés les vaisseaux les plus importants de la cavité pelvienne. L'espace qui est situé sous le plancher musculaire des muscles releveurs de l'anus s'appelle la fosse ischio-rectale, très développée sur les faces latérales du rectum. Plus les plans frontal viendra vers la partie ventrale, plus cet espace sera réduit. Et cet espace est fermé en bas par des structures périnéales. C'est le muscle transverse du périnée. Ce muscle transverse du périnée se fixe sur l'appareil sphinctérienne. En fait, cet espace marron contre le viscère correspond à la fois au sphincter du canal anal, mais aussi au muscle puborectal, qui est la troisième partie du muscle sphincter de l'anus. Entre la fosse ischio-rectale et l'os ischion, il y a une loge qui contient le pédicule pudendal, c'est-à-dire l'association artère, nerf et veine pudendale. Cet espace est donc enfermé par des tissus fibreux contre la tuberosité de l'ischion. Si on regarde maintenant les structures fibreuses contre les viscères, on va retrouver là encore un fascia pelvien qui prendra le nom de fascia pelvien viscéral. Mais vous le voyez sur le schéma, il n'est pas représenté comme un seul trait comme on l'avait fait pour la fascia pariétale, mais il est représenté par une multitude de petits traits qui expliquent bien que cette structure n'est pas une structure plane, mais plutôt une structure feuilletée. Et entre ces petites couches de fascia pelvien viscéral, nous aurons des vaisseaux et des nerfs destinés aux viscères. C'est en particulier à l'intérieur du fascia pelvien viscéral que nous avons trouvé le plexus hypogastrique inférieur, qui est l'ensemble de toute l'innervation automatique des viscères du pelvis. Voici une coupe horizontale qui passe par la partie basse du pelvis et qui ne retient qu'une partie des structures osseuses en périphérie. Et au centre, les trois réservoirs urinaires, génitales et digestifs. Et en voyant la vessie qui est le réservoir le plus ventral à la coupe, et ici la vessie est une forme triangulaire avec un sommet ventral derrière la symphyse pubienne et une base qui est tournée dorsalement. Ici l'exemple d'un pelvis féminin avec l'arrière de la vessie la cavité du bassin et plus dorsalement celle du rectum. La périphérie de la coupe est occupée par les muscles qui sont plaqués sur les structures osseuses.
avec le muscle obturateur interne qui est tapissé de la fascia pelvienne pariétale. À ce niveau, le fascia est épaissi et elle s'appelle l'arcus tendineux. Sur cet arcus tendineux vient se fixer le plancher pelvien. Dans ce plan de coupe, on représente le muscle iliococcygien et on retrouve encore du fascia pelvien pariétal qui passe des deux côtés de ce muscle et qui va recouvrir la face médiale du muscle. À la plus basse de l'entonnoir pelvien, ce fascia pelvien viscéral est extrêmement épais et forme de part et d'autre des réservoirs un double ray fibreux très dense. On l'appelle ces structures qui sont toujours des fascias pelviens viscérales, des lames sacro-recto-génito-pubiennes. Et ces lames sont tendues d'avant en arrière, fixées sur le sacrum en arrière, sur le pubis ventralement, et qu'elles enferment entre elles les viscères. Entre le fascia pelvien pariétal et le fascia pelvien viscéral, nous trouvons les vaisseaux du pelvis, c'est-à-dire essentiellement les branches de l'artère iliaque interne, et cette artère donnera des branches pour les parois, mais aussi des branches pour tous les réservoirs du pelvis. Des branches vésicales, des branches génitales et des branches rectales. De l'autre côté de la coupe, mais là encore, ces structures sont paires et symétriques. On a représenté dans l'épaisseur de sacro-recto-génito-pubien des petits filets en noir qui symbolisent la trajectoire des nerfs qui forment le plexus hypogastrique inférieur. Ce plexus est très dense dorsalement et ses fibres nerveuses vont s'amenuisant au fur et à mesure qu'on s'approche de la vessie. Maintenant, il faut tracer entre chacun de réservoirs des cloisons et ainsi chaque viscère du pelvis sera enfermé dans une loge indépendante. Il y a devant la vessie une fascia ombilico-prévésicale qui est tendue d'une lame sacro-recto-génito-pubien à l'autre. Devant ce fascia, il y a un espace qui sépare la vessie du pubis. Cet espace est seulement traversé par deux ligaments, deux ensembles de ligaments appelés pubovésicaux. Ce seront des ligaments de fixation de la vessie. Entre vessie et appareil génital, il y a un fascia qu'on appelle la fascia de Ablon et la fascia entre vagin et rectum s'appelle le fascia recto-vaginal. Chez l'homme, à la place du vagin, il faudra placer les voies spermatiques, c'est-à-dire les conduits différents et les vésicules séminales. Cet espace beaucoup plus restreint chez l'homme est enfermé en avant et en arrière par un seul et même fascia qu'on appelle le fascia de Denonvilliers, qui ne fera que se dédoubler avec un feuillet ventral et un feuillet dorsal. Derrière le rectum, il y a un cloison qu'on appelle la fascia recto-rectale et en arrière du fascia, un espace recto-rectal avant le fascia pré-sacré. Le fascia pré-sacré n'est d'autre que le fascia pelvien pariétal qui vient se plaquer contre le périoste du sacrum. Ce schéma va présenter l'ensemble de la circulation pelvienne en prenant l'exemple de pelvis droit. Nous allons étudier l'arborisation de l'artère iliaque commune droite et le schéma va commencer au niveau de l'aorte abdominale. Se divise en ces deux branches iliaque commune, gauche et droite. Nous sommes ici au niveau de la quatrième vertèbre L4. À ce niveau, la direction de l'aorte abdominale se prolonge par une artère dite sacrée médiane qui va naître au niveau de la fourche des deux artères iliaques communes, gauche et droite. C'est une artère impaire qui se dirige caudalement et qui épouse la concavité du sacrum. L'artère iliaque commune donne tout d'abord une branche iliaque externe et cette branche iliaque externe n'a pas de rôle dans la circulation pelvienne. Mis à part une petite artère qui naît juste avant que l'artère iliaque externe passe sous le ligament inguinal, c'est l'artère épigastrique profonde que nous avons vue dans les parois abdominales. Nous allons passer plus de temps dans la description des branches de l'artère iliaque interne.
Cette artère iliaque interne se divise en deux troncs, un tronc dorsal et un tronc ventral. La première branche de la branche dorsale est une artère récurrente, qui s'appelle l'artère iliobombaire. Puis vient une artère sacrée latérale qui rejoint la concavité de l'os du sacrum. Le tronc postérieur passe ensuite dans le foramen sus piriforme et donne l'artère glutéale supérieure. Le tronc antérieur maintenant, ayant une première branche qui se dirige vers l'avant, qui est l'artère ombilicale, une deuxième branche qui se dirige vers le foramen obturateur, c'est l'artère obturatrice, qui passe plus précisément dans le canal sous-pubien, vient ensuite une ou deux artères destinées vésicales et génitales sur ce schéma, sont regroupées en un seul tronc artériel qu'on appelle vésico-génital. Nous verrons dans l'étude du pelvis masculin et féminin que cette artère aura des appellations différentes puisqu'elle aura tantôt un rôle dans la circulation de la vessie mais aussi un rôle dans la circulation dans l'appareil génital interne. La branche suivante est l'artère rectale moyenne et toutes ces branches sont situées au-dessus du plancher pelvien. Maintenant, on va voir ce tronc antérieur qui va se diriger vers le foramen sous-piriforme et qu'il va donner une première branche à destinée musculaire, c'est l'artère glutéale inférieure. Puis, cette artère, ce tronc antérieur, va contourner le ligament sacro-épineux et repasser sous le plancher pelvien. Il donne alors sa première branche terminale qui est l'artère pudendale. Et cette artère pudendale sera destinée aux organes génitaux externes et donnera également une artère rectale inférieure. Et des artères périnéales enfin sur le schéma, on place simplement la veine iliaque externe et l'appareil sanguin veineux. Ce fera l'objet de la diapositive suivante. Les deux veines iliaques internes et externes vont converger pour former la veine iliaque commune. Cette diapositive maintenant va représenter la circulation veineuse du pelvis en s'intéressant uniquement au pelvis droit. Nous commençons à mettre en place la veine iliaque externe qui vient sur le schéma passer sous le ligament inguinal et qui remonte donc du membre inférieur. Cette veine va être rejointe par la veine iliaque interne pour former la veine iliaque commune. Ici, la veine iliaque commune droite. Les deux veines communes gauche et droite vont se réunir sur le flanc droit de la cinquième vertèbre lombaire pour former la veine cave inférieure. Nous allons maintenant mettre en place des veines des parois dorsales du pelvis. Ici, la veine ilio-lombaire qui va avoir un trajet descendant et qui va converger vers un tronc postérieur qui va former la veine iliaque interne. Ce tronc est alimenté également par des veines sacrées et surtout par la veine glutéale supérieure qui vient de passer dans le foramen sus piriforme à côté du tronc postérieur. Il y a maintenant le tronc antérieur ou le tronc ventral. Sa première branche, sa branche la plus crâniale, c'est la veine obturatrice qui vient sur le schéma de traverser le canal sous-pubien. Ensuite, il y a dans les parois du pelvis et autour des viscères des nombreux plexus veineux sur les côtés de la vessie, plexus veineux vésicaux, ou sur le côté de la vessie et de l'utérus chez la femme, plexus veineux vésicaux utérin. Ces plexus veineux se rassemblent en un tronc qui va rejoindre le tronc antérieur de la veine iliaque interne. Ce tronc est alimenté également par du sang qui revient du rectum par la veine rectale moyenne en dessus du plancher pelvien. Il existe une veine pudendale comme il existe une artère pudendale. Cette veine pudendale ramène le sang des organes génitaux externes, des veines rectales inférieures et des veines périnées. Cette veine pudendale contourne le ligament sacro-épineux et réapparaît dans le foramen sous piriforme pour rejoindre le tronc ventral de la veine iliaque interne. À ce niveau, il reçoit la veine glutéale inférieure. Sur cette architecture veineuse,
Nous mettons maintenant en place les groupes lymphatiques les plus importants. Tout d'abord, les nœuds iliaques externes. Ici, les nœuds sont en dedans de la veine. Ce sont les nœuds iliaques externes médiaux. Et ici, les nœuds iliaques externes latéraux. Puis, nous mettons en place les groupes des nœuds obturateurs. Et ici, les nœuds iliaques internes. Puis, le nœud iliaque commun en arrière. Il existe des nœuds lymphatiques dans la concavité du sacrum, des nœuds sacrés. Tout le flux lymphatique sera une circulation de bas en haut, c'est-à-dire que les nœuds obturateurs, par exemple, vont se drainer dans les nœuds iliaques internes. Eux-mêmes vont se drainer dans les nœuds iliaques communs. Et ensuite, toute la circulation lymphatique, ils vont rejoindre les grands courants lymphatiques aorto-cave. Un groupe peut être individualisé, celui qui est dans la fourche, qui est formé par les deux iliaques communes devant le promontoire, et on parle des nœuds lymphatiques du promontoire. Voici maintenant le même schéma avec cette fois la représentation des structures nerveuses. On va le retrouver au niveau des parois du pelvis. Nous allons montrer que quatre plexus nerveux qui viennent traverser les parois du pelvis. On citera d'abord le plexus lombaire, et que à ce niveau, dans le nerf obturateur, c'est le seul élément de ce plexus qui va occuper le pelvis. Il ne fera en fait que le traverser. On voit ici le nerf obturateur qui croise obliquement la ligne arquée et que se glisse sous le canal sous-pubien. Il est destiné au membre inférieur. Le deuxième plexus, le plexus sacré, qui est formé par la jonction des racines de L4 jusqu'à la racine de S3. Les racines de L4 et L5 en jaune sur le schéma se rassemblent, forment le tronc lombosacré. C'est ce tronc lombosacré qui rejoint les racines sacrées S1, S2 et S3. La plus grosse branche de ce plexus, c'est le nerf ischiatique, qui va quitter la région pour le membre inférieur. Et nous retiendrons de plus ce plexus, évidemment, que des éléments qui sont véritablement destinés aux structures que l'on a décrites. Ce sont les nerfs des muscles obturateurs et des muscles piriformes. Seuls les nerfs du muscle obturateur en A sont représentés pour ne pas charger le schéma. Et vous voyez, ils contournent le ligament sacro-coccygien pour rejoindre la masse du muscle obturateur interne. Le troisième plexus, c'est le plexus pudendal ou encore le plexus honteux. Il est formé par l'assemblage des racines S1, S2, S3 et S4. Il apparaît en trait noir, épais, sur le schéma. De ce plexus naissent tous les nerfs des muscles releveurs de l'anus, dont un représentant apparaît sur les schémas, également nerfs du muscle coccygien. En arrière, représenté par le schéma par cette flèche de plus gros du tronc nerveux, et le nerf pudendal qui va passer plus latéralement que le ligament sacro-épineux et revenir dans l'enceinte pelvienne à travers la petite ouverture ou petite incisure du pelvis. Ce nerf pudendal va se plaquer contre la tubérosité de l'ischion, protégé par l'expansion falciforme du ligament sacro-tubéreux. La branche la plus importante est le nerf anal, qui est destiné à l'innervation consciente du sphincter anal. Le reste des branches sont destinées aux organes génitaux externes. Enfin, il y a un quatrième plexus beaucoup plus réduit, le plexus coccygien, formé de l'assemblage des racines S4, S5 et C1. Des racines forment les nerfs cutanés péréanaux, c'est-à-dire des nerfs sensitifs pour la région péréanale du périnée. Sur ce schéma, nous allons maintenant montrer la partie autonome végétative de l'innervation pelvienne. C'est un schéma de face qui s'appuie sur les structures osseuses du sacrum. On reconnaît les articulations sacro-iliaques et au premier plan, on fait apparaître la bifurcation de l'aorte et la convergence des veines iliaques communes qui forment la veine cave. Tout en bas du schéma, le viscère représenté est le rectum, mais on pourrait mettre à la place du rectum toutes les parties constituant
du viscère pelvien. La partie droite du schéma va insister sur le système nerveux sympathique, qu'on appelle aussi orthosympathique, et la partie gauche sur le système parasympathique. Voici tout d'abord la chaîne sympathique lombaire, cette chaîne ganglionnaire qui est plaquée contre les corps vertébraux du rachis lombaire et qui ne fait que poursuivre la trajectoire de la chaîne sympathique thoracique. Cette chaîne sympathique lombaire va glisser derrière les vaisseaux pour passer devant le promontoire et se prolonge en chaîne sympathique sacrée. La chaîne sympathique lombaire porte des ganglions à chaque niveau du rachis lombaire. Au niveau de la chaîne sacrée, on trouve rarement 5 ganglions sacrés et on retrouve le plus souvent 3 à 4. Les deux chaînes sacrées convergent devant le coccyx pour former le ganglion coccygien. À partir des chaînes sympathiques lombaires, il va y avoir des échanges nerveux, des filets nerveux qui vont connecter les deux chaînes sympathiques gauche et droite. Et ces connexions forment tout d'abord le plexus mésentérique inférieur autour de l'artère mésentérique inférieure, puis ces connexions de gauche à droite qui passent en avant et en arrière des vaisseaux forment le plexus hypogastrique supérieur. Il y a d'ailleurs plus de contingents nerveux en avant qu'en arrière. Des vaisseaux de ce plexus hypogastrique inférieur ont une structure très anarchique devant la bifurcation de l'aorte, mais un peu en dessous de la bifurcation. Ce plexus hypogastrique supérieur se divise en deux contingents ou en deux cordons nerveux qu'on appelle le nerf hypogastrique. Il y aura un à gauche et un à droite. Ce nerf hypogastrique va descendre au fond du pelvis pour de nouveau, au contact des viscères, se démultiplier et former un second réseau nerveux qu'on appelle le plexus hypogastrique inférieur. C'est ce plexus hypogastrique inférieur qui est mêlé aux fibres de fascia pelvien viscérale. Sur le côté gauche, nous allons donc maintenant parler des afférences parasympathiques. Nous situons tout d'abord le plexus sacré et le plexus pudendal que nous avons décrit précédemment. Et nous montrons que maintenant qu'à partir du racine S2, S3, S4, sortent des trous ventraux du sacrum les nerfs dits érecteurs, qui sont en fait les nerfs qui apportent toutes les afférences parasympathiques. Ils ne seront pas destinés uniquement au phénomène de l'érection.